Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'unboxing. Donc ça sera la quatrième de la chaîne YouTube Airsoft Review. Donc aujourd'hui j'ai reçu ce petit colis donc, qui me provient de mon partenaire Shoot Game. Donc je l'ai préalablement coupé hein, pour éviter de perdre trop de temps sur l'unboxing. Et je vais donc sortir ce qui se trouve à l'intérieur. Là il y a plein de... Alors ils aiment bien déchiqueter des petits papiers. Il y en a la dose là, je vais éviter d'en foutre partout. Ensuite, un petit mot de mon partenaire. Ça c'est perso, c'est pour moi. Et qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a ceci. Donc ce sont les grenades tag-in qu'on peut voir actuellement sur internet et qui font un tabac sur les vidéos. Donc là, je vous l'ouvre, bien sûr, je vous l'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oula, on a plein de petits trucs cachés à l'intérieur de la boîte. Donc, plein de cartes de visite Shoot Game. Ça, j'ai de quoi faire. On a un manuel d'utilisation. Un autre manuel d'utilisation, donc je pense qu'il y a différentes langues. Et ensuite on a à l'intérieur le petit panel, donc le lanceur qu'il vous faudra absolument pour lancer les ogives. Donc là vous avez normalement 4 types d'ogives différentes qu'on découvrira en effet slow motion si j'arrive à faire des slow motion assez réactifs, parce que évidemment sur les vidéos qu'on peut voir sur internet les projectiles vont assez vite. Donc je vais gérer comme je peux la review pour vous montrer un petit peu comment réagit chaque ogive. Donc là, très honnêtement, j'avais pas vu le produit en réel. Là, c'est la première fois que je l'ai dans les mains. Je m'attendais à quelque chose de plus dur que ça. Et honnêtement, bah, ça pèse rien, quoi. C'est ça m'épate. C'est un produit qui m'épate. Je voulais absolument faire ce petit produit en review. Donc là ça va être le cas, donc ça va être le pied total là. Et là en fin de compte, là si on regarde dessus, apparemment c'est noté dessus. Donc celle-ci, il n'y a rien de noté dessus. Je ne vais pas te dire de bêtises, hein, je vais prendre toutes les informations avant de vous les expliquer. Celle-ci apparemment c'est Impact Sound Flash. Celle-ci, il n'y a rien de marqué dessus, surprise. Celle-ci non plus, donc c'est surprise. Et donc le fameux petit lanceur, si je dis pas de bêtises, c'est le Shell. Donc là, toute la petite gamme donc a été transmise par mon partenaire donc Shoot Game. Je remercie toute l'équipe de Shoot Game de me proposer ce produit, sachant que ce produit n'est pas forcément donné, mais ce qui va me permettre de proposer à mes abonnés français, même étrangers, une petite review un peu différente de ce qu'on peut voir des vidéos officielles de la marque. Donc, ce produit, prochainement, sur la chaîne Airsoft Review. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.